Hop, c'est bon. C'est tout bon. La balance est sort, la balance est sort. On balance la musique. Hop, bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir Égile, bonsoir Christo. C'est le jeudi soir et c'est donc que Minecraft dans Amiens. Non, Amiens dans Minecraft. C'est pas la première fois que je le fais ça. C'est le projet Amiens dans Minecraft. Et on est sur le deuxième épisode du... Non, pas ça! Donc on va se connecter. Ah, oui, on n'est pas sur le non pas ça, on est sur le... Hop. Je suis sur mon projet, je suis passé tout à l'heure. Un jour, une maison. Je suis un petit peu en retard, je dois avoir 2 jours de retard. Donc je continue de construire les maisons dans le quartier de la cathédrale. Et bah, je m'amuse bien. À chaque fois... Ça c'est un placard. Je rajoute un escalier pour pouvoir monter. Donc à chaque fois il y a un plancher, il y a de l'éclairage, et à chaque fois il y a un escalier qui permet de monter au moins jusqu'au grenier. Voire une échelle dans le grenier. Et ce dans chaque maison. Après il faut retrouver. Hop. Alors ce sera pas. Par contre c'est. C'est le niveau 0 de la... Un jour égale 0,85 maisons. Ouais, pour l'instant, c'est un peu ça. Ça sera pas décoré plus. On va peut-être mettre des rideaux, remarque. C'était sympa l'idée des rideaux de Lynn. On voit un petit peu, mais ça masque. Un peu comme dans la réalité. Donc du coup j'ai le bloc 1 eh ben, qui commence à s'étoffer. Ah oui alors là j'ai une petite. Il y avait une petite arrière-cour avec on la voit bien avec ces bosquets comme ça sur la vue satellite. Et alors il n'y avait rien, il y a un âne et un cochon qui sont venus peupler le truc. C'est cool. Donc là j'en suis à une douzaine de maisons que j'ai fait hein, depuis qu'on a arrêté depuis que j'ai décidé d'arrêter la série. Donc c'est pas mal du tout. Hop, on va se TP. Ah, j'ai toujours pas mis de points. Non ben je suis vraiment un boulet moi. Hippodrome. Ah non, je l'ai pas. Ouais, j'ai l'hippodrome. C'est à 2 km. Bon, c'est juste derrière l'hippodrome, mais quand même. Alors, J1 a bien bossé. Il a envoyé plein de propositions pour faire ce truc. Et moi, de mon côté, j'ai un petit peu réfléchi. Depuis que j'ai décidé d'arrêter la série. C'était pas la série en fait, c'était le... C'était le sous-projet. Voilà, on va dire sous-projet. On va mettre un... Alors attends, l'arrivée, l'entrée, elle est où? Elle est là. L'entrée, elle est censée être là. Sur le parking, on va mettre... Alors, ça s'appelle Zénith. On va mettre un truc un peu flashy, hein. Voilà. Et puis on va le masquer parce que j'ai 28 Bon, il y en a qui correspondent pas forcément à des dans les ortillonnages, il y en a plusieurs par exemple, jardin du grand-père, maison des ortillonnages. C'est pas le nombre de bâtiments qui a été fait, 28, mais et puis il y en a qui en ont pas. Alors donc on voit la forme du truc. La base de l'ellipse, elle est là. Le haut est là.
C'est une ellipse avec un angle de 50, 45 ou 50 degrés de bascule et qui est plus longue que l'ellipse qui avait là. Par contre, elle est inscrite toujours dans le centre a dû être décalé aussi. Mais au niveau de la largeur, ça a été calculé pour que le rond vert qui contient en fait la scène, les gradins et tout le Bataclan soit toujours inscrit dedans. Ce qu'ils ont fait après, c'est qu'ils ont tendu une espèce de toile PVC pour faire les murs. Et c'est ce qui m'a donné une idée pour faire le. La base, ça fait œuf d'autruche et le haut, œuf de poule. Ouais. Un œuf de poule, plutôt ballon de rugby, moi je dirais, pour le haut. Parce que comme c'est normalement c'est plus ou moins régulier, alors ces arbres. Mais vu comme ça fait une forme, ça fait une forme intéressante. Bon, alors G1 a fait deux méthodes. Il avait testé l'ellipse en plusieurs niveaux et en la déformant avec des rotates avec World Edit. Le problème c'est que les rotates avec World Edit qui sont pas multiples de 90. Il fait des déformations, ça fait des trous en fait. Quand on n'a pas l'ellipse en continu, ça fait une ellipse en pointillé. Et sinon, il a fait la même chose, mais dans un logiciel de dessin pour avoir une déformation. Ce qui fait qu'après, ben, on a, comme moi, j'ai le dessin de l'ellipse en bas et en haut, on se retrouve avec le dessin de l'ellipse à chaque niveau. Mais je me suis dit. J'avais commencé à me dire, bon, ben ça c'est génial, c'est ça qu'il va falloir faire. Mais je me suis dit après coup que ça allait être super long à le faire. Parce qu'il y a. Bon, on a déjà fait un. Donc là, il faut aller faire de celui-là à celui-là. Ça fait 18. Comment on dit ça? 18 ellipses? 18 ellipses? Ouais, 8. 18 ellipses. Et salut Pyros Twitch, merci pour le suivi. Salut Jackpot. Tata, le Z. Le Z zélé. Chloc, 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 chloc. Ah, on voit pas les petites ailes. Donc, je me suis dit, on va plutôt. Bah, à la limite, eh ben, on va faire RP. C'est-à-dire. Quand je vous ai expliqué comment ils avaient fait, ils ont tendu une toile PVC sur l'armature. Donc en fait, si je fais tac, je vais rejoindre là, tac, et je fais un ouais, je fais un quoi? 251-14. Je fais un line 251-14. Unknown commande. Ah, faut deux slash. Voilà. Ah, tu mines. Attention à la lave, hein. Alors pour ceux qui ont vu le live de mercredi. On n'était pas très très nombreux, mais c'était quand même terminé moyen. Et qui n'aurait pas vu le Discord, je m'en suis tiré. Il y a. Bah d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas lancé le Discord. Satisfying veut contrainte. Pop. Il y a Neko qui m'a fait une petite plateforme. Ils ont repéré à la fin du stream, parce que j'avais lancé un message d'alerte, ils ont repéré à la fin du stream les coordonnées, donc j'étais en 1000-1000, et ils m'ont fait une petite plateforme. T'as la flemme de jouer à Minecraft en ce moment malgré la 1.14. Salut Shinchi! Donc, alors, j'ai eu peur parce que la première fois que je me suis connecté. J'ai refait le coup du moins 2000, moins 3000, moins 4000, et cloc, 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 pof, je suis mort. Mais la deuxième fois que je me suis connecté, ça s'est bien passé. Je suis tombé sur la petite plateforme.
C'était génial. Et du coup, bah, j'ai pu faire un slash, le slash home, et ouf, c'était sauvé. Tout est bien qui finit bien. Ça va, j'ai de l'eau sur moi. Petite joueuse, il faut le faire tout nu et sans eau. Hein. Et puis YOLO, là, casser des blocs. Hein. Non mais, enfin c'est comme ça que font les, c'est comme ça que font les bons, les grands mineurs quoi. Pour qu'il y ait un petit peu de, pour qu'il y ait un petit peu de peps quoi. Donc, alors il suffit. Alors vous allez me dire, mais si tu fais ça à chaque truc, ça va prendre des plombes. Eh non, parce que. On peut écarter un peu. Et là, ben, on fera du remplissage classique. Tac, tac, tac. Bon, là, ça veut dire. Ouais, va falloir décider à un moment donné où est-ce qu'on fait le remplissage. Mais vu que là-bas, là où il y en a, il y a un 3. On va peut-être faire, on va peut-être le laisser là-haut. Donc là, tac, 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 tac. Ouais. Donc là, pareil, à chaque fois, je pense que faire un petit, petit truc dans ce style-là. Et j'espère que ça va bien se passer. Ça va faire bizarre le celui qui est à deux là. Du coup, ça va faire bizarre. Faut au moins le faire comme ça, comme ça. Salut Clampin. Ouais, je fais le non pas ça, ouais. Donc après, on continue. Tac. Hop. Alors, c'était où? C'était là. Oh, oh bah là, il est. Oh, je suis au point de. Je suis au point de convergence. En un seul mot. De toute façon, après, je pense qu'il faudra repasser pour. Pour lisser les courbes. Chose indispensable. Un peu comme j'avais fait pour le Titanic. Il y a beaucoup de ressemblances. Ça me rappelle beaucoup le, quand j'ai dessiné la première fois la coque du Titanic, en fait. Où j'avais les couples, les membrures, et après il a fallu remplir au milieu. Alors celui-là, je l'avais fait le line, mais il est un peu. En fait, il faut que je vise. Le centre. Hop. Ah, du coup, il a décalé. Hein. Pourquoi le nom pas ça? Parce que quand on a fait l'hippodrome, c'est une plaisanterie quand on a fait l'hippodrome. Quand on a fait l'hippodrome, je regardais avec vue de rue, Street View de Google. Et le seul endroit où on voit l'hippodrome, c'est depuis cette petite route-là. Et donc, à chaque fois que j'allais dedans, je me retrouvais face au gros bloc rouge gélatineux là. Enfin, ça me fait penser à un bloc de gâteau gélatineux. Plouc, 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 plouc. C'est quand on bouge l'assiette, ça fait bloup, 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 bloup. C'est les Allemands qui adorent ça. Et j'arrêtais pas de dire, bah c'est moche, c'est moche, c'est moche. Mais après, on se disait, bah, un de ces jours, il faudra quand même bien le faire, puisque il est compris entre l'hippodrome et puis là-bas, on a le stade de la licorne. On voit pas bien, mais. Salut, pas de nom Quentin. Bling bling. Bonsoir Oran. Oh, et belle. Il me host avec 201 téléspectateurs. Spectateurs. Merci. Un gros bisou ML.
J'ai réussi à m'en sortir, hein, en fait. J'ai laissé un message sur le Discord, mais sur Ragnablot, j'ai été sauvé. Et salut à tous ceux qui arrivent, donc tous ceux, les spectateurs de ML. Et j'ai raté. Il est où le stade de la licorne? Je suis en train de partir dans le mauvais sens. Oh, plus c'est doux. Gros bisous Edo et merci à vous deux pour le host. Donc bonjour aux spectateurs de ML et de Edo. Donc je suis en train de reconstituer la ville d'Amiens dans ouais, t'es bizarre comme bug, ouais. Ouais, parce que ça, je pense que ça réarrivera, ça. Le gars qui pète son lit et qui meurt. Le fléau. Alors, oui, donc, il fallait qu'on se fasse cette espèce de salle de spectacle d'architecture très moderne. Super arbre. Et assez, bah assez spécial quoi, avec deux ellipses, une ellipse basse et une ellipse haute, qu'ils ont rotationné de 50 degrés. Et salut Antonin Fourier, merci pour ton 12e mois d'abonnement. Et hey, carotte de Redstone, un gros bisou à toi. Shinji Panda dit non, c'est pas un bug, c'est un gameplay fait exprès pour toi. Salut, je trompe à lunettes. Et salut bah, à ceux qui arrivent, Ouroboros, Veroro. Qu'est-ce que j'ai pas vu sur le chat? C'est pas mal. C'est bon. Toup, 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 toup. Bonsoir, Edgy. Un gros bisou. Donc voilà, on est en train de se faire un bâtiment super moderne, donc une salle de spectacle. Coincé entre l'hippodrome et le stade de football. Le stade de la licorne magique. Vous savez pourquoi ils l'ont appelé comme ça? C'est parce que le surnom de Alps, c'est The Unicorn, c'est la licorne. Et Alps, il est d'Amiens. Enfin, de la région d'Amiens. Donc voilà pourquoi ils l'ont appelé stade de la licorne. Vous avez le fin mot de l'histoire en fait. Ça se dit rotationné? Je pense que ça fait partie de mon langage. Je l'ai inventé le mot. J'invente plein de mots. Je pense qu'on dit rotater plutôt. Parce que ça fait plus anglo-saxon. Comme la mode est à reprendre les mots anglais, il faut dire rotater. Mais moi, comme j'aime pas l'anglais, je dis rotationner. En fait, on dit comment en fait oui, en fait. Et salut Dorian, salut Zerfium, merci pour le suivi. Comment on dit tourner? Bah non. Enfin, oui, c'est tourner. Effectuer une rotation. Ah, pivoter, ouais. Pas mal, Oran, ouais. Pivoter. Appliquer une matrice de rotation sur les différents éléments. Donc là, je vais me faire les différents. Alors là, je commence à plus être droit. Donc il faudrait que je vise le centre. Tac. Je m'éloigne comme ça. Je remonte. Hop, 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 hop. Et allez, je sélectionne celui-là. Donc je vais en faire régulièrement. On va le faire sur. On va tester la méthode sur un quart d'ellipse. Et puis si ça marche, on généralisera. Hein. Effectuer un virage. Donc là, il faut que je vise le centre. Tac. Salut Mini Elena. Salut Greg. Ouais, tout rotate. Rotate. Oups. On dirait une chanson de Rammstein.
Ouais, j'aurais peut-être pu choisir ce bloc-là. Après, je peux le faire une deuxième fois. Donc toujours viser le centre. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et... Bon, sur les difficiles aventures, il faudra que tu fasses une salle de spectacle qui envoie du pâté au radin. Tout doux. Zerfu, je suis très âgé. Je suis le doyen de Twitch. Alors il paraît que c'est pas vrai. Il y a plus vieux que moi. Incroyable, non? Toc. Tu me mets pas la pression du tout. Bon après l'architecture moderne. Bon, on a fait. Ah non, on n'a pas fait tout à fait. J'ai dit que je sais le quart. Hein. Et oui, le respect. Le respect de l'âge. L'âge de mes artères. Hop. Alors, salut à tous ceux qui arrivent. Salut Lire 200. Ça sera la salle Enaf, ça envoie du pâté. Pas de pub. Merci pour les suivis. Le problème, c'est que comme tu m'ordonnes, puisque tu utilises l'impératif de lire mes abos, j'ai pas vraiment envie. Du coup, surtout que tu le dis avant que le message arrive. Ah ouais, mais comme il y a un effet de latence. Parce que moi, dès qu'on me demande de faire quelque chose, je fais l'inverse, hein. Je suis un peu, je suis, j'ai mes artères qui sont vieilles, mais au niveau esprit, je suis resté très jeune, hein. Jeune avec un mot de trois lettres quoi. Allez, je te dis merci quand même. Merci pour l'abo lire 200. Ouais, je pense que le message sur le chat est arrivé après coup. Ouais. Twitch le soir, il a du mal. Amini Elena dit, il paraît qu'une des premières cellules est apparue sur Terre. Stream du sport créature de temps en temps, et quelques années près, tu as été plus âgé qu'elle. Traite-moi de protozoaire ou d'amibe, hein? Ne bois pas d'alcool. Non, c'est bon, j'en bois pas. Enfin, très rarement. Je dois faire l'inverse. Et salut Gera. Merci pour le suivi. Donc, bienvenue à tous ceux qui arrivent. On se reconstruit la ville d'Amiens dans Minecraft. On est sur le zénith. Tadadam! Où bientôt le Z va se produire en concert. C'est stylé, un protozoaire. Ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Hein. Stylé. Le Z-nit. Hop. Comment ça fait, vue de haut? Ah, ça fait... Oula. Mais il est complètement... Ah ouais, il est coupé. Il est loupé, celui-là. J'ai dû louper le... Ouais, j'ai dû louper la première position. Alors, hop. Voilà.
Donc à part celui-là, mais celui-là il date du début. On a la forme en fait, hein. Un peu comme les membrures d'un bateau. Je cède à l'idée. Arrête, la famille va me réclamer de l'argent. Arrêtez, arrêtez. Bon, alors, au départ, on va le faire un peu brut de fonderie, et puis on retaillera un petit peu après dedans, dans la masse. Quand c'est deux comme ça, on va diviser la poire en deux. Quand c'est comme ça, c'est comme ça. Donc là, après, je sais vraiment pas ce que ça va rendre ce truc, hein. Donc, par contre, par exemple, des formes comme ça, hein, des angles comme ça, on les reprendra pour justement ne pas avoir de clac. Mais ça, on le fera après coup, hein. Quand on aura tout fini, on repassera et faire tout le truc. Je pense que si j'ai fini dans la soirée, ça va être beau. Allumez le stream. Eh, tu t'es pas fait bannir, Jacques? Comment t'as fait là? Tu nous claques des majuscules, des capitales de partout? Ah donc tu fais pas le Zénith mais un Titanic, dit Elena. Ah bah ouais, de toute façon moi je fais que des Titanic. Mais Minecraft en fait j'ai pas compris que c'était un jeu bac à sable où on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Je pensais qu'on pouvait faire que le Titanic. Alors. Pop. Là. Est-ce qu'on tente? Le 7. Vache. Histoire de gagner un petit peu de temps. Hein. Là c'est pareil. Ah, sauf qu'il est. On va se faire un line là. On va aller plus vite à faire le line. Là par contre il y en a deux. Hop. Alors là ouais ça fait franchement là c'est pour le coup ça fait franchement pas bien. Pourquoi tu ne fais pas que des lines? Bah à cause de ça. Et le deuxième, le suivant est pareil. Donc il faudrait que je fasse un stack toc vers l'ouest. Stack 1 ouest. Paf. Aïe. Attends, on va le faire aussi ici. Je veux voir jusqu'où ça va les dégâts. Ouais, donc attends. J'ai expliqué, je sais pas si t'étais pas là, J1, salut. J'ai expliqué ce que tu m'as envoyé. J'ai expliqué aux gens donc les deux méthodes que tu m'as envoyées. Le rotate dans World Edit qui était pas bien. Et puis le travail dans un logiciel de dessin avec la déformation de toutes les ellipses. Et je me suis dit, ils font faire 18 hein, d'ellipses et ça allait être trop long. Et je me suis dit, je vais essayer cette méthode des lines avec membrure. Ça dessine une membrure. Et entre les deux, je vais tracer comme une coque en fait. Mais là, c'était assez simple. Parce que c'était, on va dire, plat. Par contre, ici, ouais, on va commencer à attaquer le très très lourd en fait. Hein. Ça t'a pris 5 heures les ellipses. Ouais. Et je me suis dit, les dessiner dans Minecraft. Ça allait être très chaud.
là, j'abandonne un peu l'idée de la ligne et je vais le faire un peu au feeling. Mais en gros bloc, je les retravaillerai après. Comme j'ai dit, là il faut qu'on... non là. Là, ça, pas beau. Et ici, pareil, il faut que ça soit... Alors, normalement, c'est censé être... Ça doit faire des lignes plus ou moins droites. Hein. T'avais testé cette méthode aussi, mais beaucoup de corrections à faire à la fin aussi. Ouais, ouais. Je pense que... Ouais. De toute façon, il n'y a pas de... Ou c'est très pénible et il faudrait copier les 18 ellipses que ton logiciel de dessin a déformé, a fait. Ou il faut le faire le boulot à la main, quoi. Ah, ça va faire bizarre, hein. Après c'est soit d'un côté soit de l'autre. Hein. Donc ça va sauter, ça va rentrer. Il faut que ça vienne ici en fait. Hein. Donc celle-là je pense que elle va diminuer. Ou alors je fais 2. Donc ici 2 et ici 2 et j'ai 2. Voilà, on va faire un move 1 n hop et il y a celle là hop et toujours reculer pour voir ce que ça donne quoi. Ce qui fait bizarre c'est ce truc là, ou alors là il faudrait qu'en face ça remonte, ça fasse une espèce de courbe par ici. Gilles dit modéliser Mini Elena, mais quelle idée aussi de faire le zénith tout moche là. On est obligé, hein. Il a été voté. Dire qu'on aurait pu faire. C'était quoi le deuxième choix, ce qui était arrivé en deuxième? Après on aurait pu le refaire. Ouais, à ce moment-là on fait pas de reconstitution si on le fait à notre sauce. Salut Kishi. Et Gilles dit modéliser un truc sur un logiciel de modélisation en 3D, récupérer le modèle en point .obj et le convertir en schéma pour Minecraft. Ouais, mais après on utilise Schematica et tout le Bataclan, et là c'est un peu... Le problème c'est que c'est un peu triche. Enfin c'est pas dans la philosophie du... On le fait en créatif, mais on le fait pas... On le fait pas générer automatiquement, sinon après on part dans un autre... Parce qu'on peut se dire, si on le fait pour ça, on peut le faire pour tout, pour toutes les maisons. Et le mouton en bas, il s'en fout complètement. Ouais, tout à fait. Il y a le cochon aussi qui s'en tape complètement le truc, Clampin. Non, mais ça va le faire. Moi, je... Je suis assez confiant pour le truc, sur le coup. Autant des fois, il y a vraiment des bâtiments. Une fois que ça a été voté, je me dis, mais... Comment je vais faire pour m'en sortir Autant là, une fois passé le premier sentiment de dire, mais... Comment je vais faire pour m'en sortir
Ça a été quoi? Donc là, placement brut, hein. Après, on corrigera. Là, on va quand même en rajouter un. Puisqu'on sent, on pressent que la ligne, elle va partir par là. Ce qui est logique, hein, puisque... Mais en fait, il aurait fallu que j'en mette un peu plus. J'aurais pu en mettre deux tout de suite, sachant que là, il en va en falloir un. Mais il faut voir avec la ligne qui va être ici. Et là, il va falloir retailler la ligne. Et là où j'ai pas trop peur, c'est que ça me rappelle quand même énormément la coque du Titanic. Oh, parle. Vous allez dire, mais il fait vraiment une fixette sur le Titanic, le gars. Faut qu'il arrête, quoi. Dit, je crois qu'au fond de toi tu aimes ces challenges. Oui, c'est vrai. Je pense que oui. Et à force, je pense que je vais petit à petit voilà, voir dessiner un peu plus ou moins tout de suite la courbe, quoi. Là, je suis... Non, je suis pas obligé de faire ça. Je peux taper là. Ah. Ouais, mais là, ça, c'est pareil. Je peux le reprendre aussi. Ce que va générer la line, la ligne, la commande ligne, c'est pas forcément... Faut juste les seuls trucs auxquels j'ai pas le droit de toucher, c'est celle du bas et celle du haut. Qu'est-ce que tu dis, Jackpot? Califa? Il n'y a pas de Califa, Amien. Alors moi, je sors pas d'Amien, hein, je suis Picard. Le Picard, il a les deux pieds dans la terre, il y bouge pas. J'espère que la moustache fait pas trop de bruit. Elle a tendance à venir faire de la ASMR, la moustache. Tac. Le mélange des deux, Templanique, petit temple. Le Burj Khalifa, hein, je connais pas. Alors après, il faudrait s'arranger pour que ça y ait pas de poche comme ça, mais on est sur des blocs, hein. Essayez de faire un truc comme ça, mais avec la courbe là, c'est le gratte-ciel le plus haut du monde, presque un kilomètre. Ah ben il va falloir attendre que soit on le fait dans Mindtest. Soit on attend que Monsieur Mojang il nous remonte la surface à un peu plus de 256. Hein. Hop. Donc là, ça va pas le faire. Un peu travailler le truc. Salut qui est-ce? Alors le monument, le bâtiment, c'est le Zénith. Il faudrait que je... Allez, on va mettre une photo libre.
C'est ce truc-là. Alors on a pas l'effet, mais il y a bien quelques mètres hein, d'avancée. Le haut là, il avance par rapport au bas de, mais ça donne pas cette impression-là. Hein. La photo, si la photo est prise de près, ça rend moins bien. Oh bah là, ça ressemble pas à un... ça ressemble pas à un... ça ressemble pas trop à un bateau. Hein. Ouais, si, il est derrière l'hippodrome, entre l'hippodrome et le stade de la Licorne. C'est un petit, hein, il fait 6000 places. Après, bien, c'est un bassin de population assez costaud. Hein. Toc. Ça c'est trop droit par rapport à ça, mais on verra plus tard parce que là on va arriver dans les... Ah non, on n'est pas encore dans les 45 degrés, on est pas loin. Et là on va arriver dans du un peu chaud là. Celui de Nancy est en forme de guitare électrique. Ah, ils sont originaux les gars. Mais bon, il est pas magnifique non plus. On ne risque pas de le rater. Bah ben, rouge comme ça, ouais. Alors c'est le même architecte qui a fait celui de... C'était quoi? Strasbourg? Ça va faire bizarre, on va le faire comme ça, tu vois. Massimilio Fuxas. Donc je pense qu'il a répondu à... À un concours, il y a dû avoir un concours et puis c'était le truc le plus magnifique qui a gagné. Magnifique. C'est même plus du build, c'est du terraforming. Ouais. Alors moi, j'utilise pas terraforming. Hein. Comme mot. Ça veut pas dire ce que ça veut dire. Donc ça me gêne un peu. Pop. Bon, il y en a un derrière qui va tac. Je vais pas laisser le truc. Terra fromage. Qu'est-ce que ça fait si on fait des petits trucs comme ça? Parce que des trucs de deux, c'est pas dans la philosophie du bazar. Hein. C'est pas un stade de... Comment ça s'appelle là, les... Stade de grimpe là, de varap. Où t'as des aplombs, des simili-aplombs rocheux. Donc quand c'est trop loin comme ça, c'est qu'a priori c'est pas bon. Voilà. Ça va être chaud. Hein. On va peut-être revenir sur l'ellipse, hein, le J1. Ça va pas.
Déjà, de toute façon, faut gommer tous les trucs où il y a des carrés de 2 comme ça. Ah, puis en plus, avec la gestion de l'ombre de Minecraft, avec l'aplomb qu'on a. Bon, de toute façon, c'est un bâtiment moche en réalité. Donc, dans Minecraft, il devrait être moche. Oh, merci, caisse. Don de 30 euros, juste un petit don. Je te fais juste un petit bisou alors. Ça fait trop pâté la structure. Gêner terrain. En fait, moi j'emploie terrassement. C'est quand on déforme le terrain et autres, c'est ni plus ni moins du terrassement. Puisque, bon alors, pas beaucoup à le savoir, mais le terraforming ou terraformation en français, c'est en fait la transformation d'une planète ou d'un satellite, hein, mais plutôt une planète, en planète habitable de style Terre, d'où le Terra. Donc avec une atmosphère, de la flotte. Ouais, si j'aurais pu faire comme ça, remarque. Ouais, comme ça, hop. Et bah ici là, même si celui-là il va nous enquiquiner, je pense, et celui-là aussi. Tac, on casse. Ça, là, on n'a pas le choix. Hein. Faut ouais, faut tirer droit. Ouais, des petits... oui, de toute façon, il va y avoir un petit boulot de finition pour l'instant. Mais faut pas s'attendre à des miracles, à des miraculus. On n'est pas à Lourdes. C'est pas une grotte. La grotte. Souviens-toi de ton échec dans la grotte. Ah ouais, bah là, là on est loin du coup. Donc mon aplomb, je vais l'avoir. Et je suis quasiment depuis le bas en décalage. Tac 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 tac. Aïe 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 aïe. Ouais, demi-dalle, les fameuses demi-dalles. Ça serait, ça c'est dommage de pas avoir des dalles en, parce que là j'aurais pu finir avec avec des dalles. Pour casser le truc. Là par exemple ici typiquement soit faut le faire rentrer, soit faut le faire ressortir. Le fait qu'il sorte à certains endroits, ça fait bizarre, et pas à d'autres. Faut que ça soit un peu régulier, hein, mais. Et là par exemple, c'est le cas typique où en fait ça sera plus joli si c'est systématiquement comme ça, quoi. Je vais mettre mon bloc support en dessous, ça sera plus pratique. Je vais dire en dessous. Et salut à 544, merci pour le suivi. Salut Moustikov, 2 semaines pour rattraper toutes les rediffs du projet Amiens. Je sais pas à combien t'en avais de record, de retard, ouais. Et salut Albubu. Salut à tous ceux qui arrivent. En
On va pas faire ça toute la soirée, hein, de toute façon. Je vous rassure. On va aller aussi bosser sur l'intérieur. Mais je voudrais au moins arriver au quart. J'ai dit en dessous. Bouillou. Donc ça fait pas joli. On le casse. Ça va certainement pas faire joli non plus. Et tac. Problème, c'est qu'on risque d'arriver pas assez haut. Ouais, parce que là, le faire de un bloc en un bloc, ça va pas. Ouais, là, il faut qu'on soit ici, hein. Là, ça veut dire qu'il faudrait être ici. On va pas y couper à notre aplomb. Intermédiaire. Ça, c'est l'échelle 1 avec des blocs. C'est chaud. Mais bon, on savait dès le départ que ça allait être chaud comme projet, hein. Je pense que ça va être à chaque fois on me dit oh, c'est quoi le bâtiment le plus difficile que t'as fait? Celui-là va être dans la liste. Alors, on est reparti ici. Oui, si j'aurais pu laisser celle-là, j'aurais pu laisser l'autre aussi. Tac. Toc. Je parle moins, je suis plus concentré. J'essaye de voir tout de suite où vont poser les coins à problème. J'aurais pu le laisser aussi celui-là. Voilà. Il faut dire qu'il y a une entreprise qui l'a fait dans des LVV, ouais. Bon, après, c'est des bandes, hein. On le voit. On le voit bien dans la structure, hein. On voit bien les bandes. C'est des bandes qui doivent être collées les unes aux autres. Je pense que ça doit être plus facile, du coup plus facile à faire. Tu les attaches en haut, tu montes, tu soudes avec le truc qui est juste à côté, et tu fais hop, après tu fais la bande suivante. Un peu comme du papier peint. C'est facile le papier peint. Surtout quand il n'y a pas les raccords. Parce que quand il y a les raccords, c'est pénible, hein, les papiers peints. Et quand même, ouais. Je suis pas sûr que c'est plaque vissée là. Hein. C'est PVC, donc ça tombe, c'est même des trucs thermo, peut-être thermocollés. Je sais pas ce qu'ils ont employé, mais en attendant, c'est toujours là, alors que ça a quoi, une dizaine d'années. Donc, hop, ça va pas le faire. Donc chapeau quand même, hein.
Il y a des trucs dans Amiens qui se sont cassés la figure plus vite que ça. On citera pas de nom parce que on n'est pas médisant, hein. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour dire du mal, hein. Surtout pas. C'est pas du tout le genre de la maison. Alors, il faut pas que je laisse mes trucs de construction, moi, par contre, hein. Alors là, on en est où? On arrive en haut. Tac, tac. Alors, à court, j'avais eu un message, on me disait, ah, mais faudrait que tu fasses un tuto sur comment tu dessines tes coques de bateau. Bah voilà. Après, ça fait un peu sculpture. Ça, j'aime pas ça. Mais bon. Après, c'est un truc à voir de loin, ça. Hein. Et de loin, avec les ombres, on verra rien. Une photo de prise de nuit qui montre l'intérieur. Ouais, c'est plus ou moins translucide. Ils l'ont fait exprès en plus. Je pense qu'il va y avoir des projecteurs à l'arrière. Et je crois même que ils projettent des logos. Et salut à ceux qui arrivent. Salut Oran Reyes. Et salut Ferrucheur. La tour bleue. Alors elle est rouge. Bon, c'est une petite tour, hein, 24 mètres de haut. C'est déjà pas mal, alors, mais... Voilà, tant pis. Tant pis pour l'aplomb. À la limite, qu'est-ce que ça fait si... Tentons le coup, hein. J'ai plus qu'un seul aplomb. Qui est là. Nonorev dit, il pense que la lumière de Minecraft va rendre difficile cette partie. Je pense aussi. Alors que dans la réalité, on voit qu'il n'y a pas ce problème de d'ombre en fait. Hein. Alors que dans Minecraft, la lumière tombe toujours du haut. Donc dès qu'on a le moindre petit clac, tout ce qui est en dessous est pas éclairé dans l'ombre et dans le noir quoi. Bon après on passe en survie puis ça fait tour à mob hein. Ah oui Antonin, c'est même pas la licorne que je pensais mais maintenant que t'en parles. Go shader? Oh non pas les shaders. Hein. Ça va piquer avec les shaders. Ah, quoique. L'aspect bizarre par rapport à la réalité, c'est que ça fait bien alvéolé. Alors que dans la réalité, c'est plus lisse. Eh ben, bonne nuit, Clampin. Fais de beaux rêves. Pense pas trop au bloc de gélatine rouge, hein, surtout si tu cours après. Et puis, bon courage pour demain. Ouais, on voit plus les blocs. Ouais. Ah, il y avait le Colisée. Mais c'était il y a longtemps, j'étais encore sur Amiens. Il y avait les plaques de verre. Pof. Ouais, micro-bloc, ouais.
Bon, allez, on va repasser en normal parce que construire avec les... Non, c'est pas ça. Option graphique, shader. Donc c'était dans les années 90, ça. J'ai revu ton épisode d'hier, à mon avis, ça me donnait des idées. Ah ouais, surtout dans le Nether avec les bazars rouges là. Alors attends, ça. On va faire carrément le replomb là peut-être. Mais ça sera éventuellement corrigé après ça. Tac tac. Ah oui, d'autant qu'on a ça ici. Ouais. Ce truc-là m'énerve. Les bazars rouges dans le Nether, quel bazar, quasiment tout est rouge dans le Nether. Antonin, ouais, j'étais pas au courant, en même temps j'étais pas né. Ah, ça avait fait parler de soi parce que c'était sur la, sous la piscine quoi, donc gloops, tu vas te baigner, tu te prends une plaque de verre. Alors en fait, c'était pas, ils avaient détecté qu'il allait y avoir un problème avant l'ouverture, et donc pour pouvoir ouvrir quand même parce que c'était en train de perdre des sous et tout, ils avaient trouvé de, donc c'est un immense truc avec une grande verrière. Et ils avaient mis un filet de protection sous la verrière pour que si les plaques tombaient, elles étaient attrapées par le filet et elles tombaient pas sur les gens dans la piscine. Oh, c'était du top. Je pense que ça a tellement marqué les trucs. Faites une petite recherche internet sur le Colisée. La chute des plaques de la verrière. Parce que bon, dans le tout Amiens, on en a parlé pendant un moment. Hein. C'était un peu le sujet de rigolade. Même si... Bon, c'est quand même avec nos impôts qui font toutes ces conneries là. Hein. Ouh, j'ai dit un gros mot. Oh. Et là, je crois qu'ils m'ont... Voilà, c'est le passage qui m'a un peu énervé. Du coup, je fais n'importe quoi. Ah ben, c'est malin, ils ont réussi à énerver Z. Hein. Bon, ils ont résolu le problème maintenant. Hein. Il n'y a plus de plaque de verre. Elles sont... En fait, maintenant, la piscine, on a pied sur des plaques de verre. Et j'ai bien envie de faire ça. Comment j'étais Là, on peut dire là-haut, c'est en fait c'est un rebord. Avec ce mot, ça sent le redressement fiscal. Ah, c'est à Annecy qu'il y avait un truc sympa, c'était elle avait aimé ça. Le carrelage, pareil, un carrelage décoratif en façade qui tombe et là il est tout scotché le truc. Ça fait le truc miséreux. Ouais. Ah bah tiens. Alors si je laisse mes blocs de construction,
Ça va moyennement le faire, hein. Je pense qu'il faut que je fasse un truc comme ça. On va voir après ce que ça va donner. C'est toujours pareil, c'est souvent en se reculant, hein, qu'on voit l'effet. Sur ces trucs-là, faut. Ou alors faut avoir l'expérience du machin, être assez habitué, ou il faut reculer pour dire les blocs ils s'achangent, ils s'agencent bien ou ils s'agencent mal. Tac tac. Parce que là le problème c'est que ici c'est droit par là. Donc ça risque de ne point être joli en fin de compte. Ça fait bizarre, mais c'est pas forcément choquant. Ça arrange pas vraiment le truc. C'est peut-être un peu mieux. Ouais, mais là, si j'enlève ça, non, c'est celui-là qu'il faut que j'enlève. Et celui-là. Ouais, pareil pour celui-là. Voilà. Je devais tracer les axes de l'ellipse du haut pour voir où tombe le 45 degrés. Je pense que je l'ai dépassé là, le 45 degrés. Ah non, je suis pas loin. Ah, de haut, ça fait joli. Ça fait lisse. C'est impeccable. Ah, des fois, ouais, Calypso, les architectes, ils voient plus ils voient plus l'aspect visuel que l'aspect fonctionnel, ouais. Là après on retombe sur du plat, ça va être assez rapide. C'était le passage à 45 degrés qui était, je pense, le plus chaud. J'avais fini là-haut? Ah non, j'avais même pas fini. Tac. Ça d'ailleurs, des fois ils sont quand même bien recalés parce que ce qu'ils ont pondu est soit tient pas debout, soit après coup c'est moche. Par exemple, la verrière de la gare d'Amiens, dans l'idée, et comme moi je l'ai fait, comme je l'ai réalisé. C'est pas trop mal, c'est joli, ça fait aérien, ça fait même si c'est pas super pratique parce que c'était censé protéger les gens de la pluie, mais comme pareil, il y a des espaces où l'eau peut tomber, donc les gens râlent en disant et à juste titre, ben, ça nous protège pas. Mais le problème, c'est pareil, c'est des grandes plaques de verre qui sont tenues à une certaine hauteur. Pour que ça tienne bien et que ça soit en sécurité, il a fallu qu'il fasse une structure super lourde derrière pour que ça tienne. Du coup, on voit que des poteaux et on n'a plus du tout l'aspect de la verrière aérienne. Donc, je pense qu'à la base, le gars, quand il a dessiné le truc, bah, sur un dessin, c'était super joli. Derrière, les ingénieurs se sont mis, ils se sont dit, bah, non, là, il nous faut du poteau de 24, pas du poteau de 12. Et puis voilà, ça y est, ça fait un truc moche à la fin. Salut à ceux qui arrivent, salut Oxydi, salut Black. 82 400.
82. Ah, un département que je connais pas. Je connais le 83, c'est le Var. 84, le Vaucluse. Le 80, je le connais aussi. Bon, t'es pas en retard, on est à mi-chemin là. Ça fait 1 heure que le live est commencé. On a déjà bien commencé à bosser sur la petite structure extérieure du Zénith d'Amiens. Le non, pas ça! Commence à décaler comme ça et bah, ça va le faire tout doucement. Toc. Ouais, je suis assez content du truc là. On ne critique pas la verrière, c'est un super bar. Je parlais pas de cette verrière là. Salut Ata, j'arrive. Oh ben, y a pas que moi qui est dans les choux, hein. 81, c'est le Tarn. 81, c'est Toulouse. C'est Toulouse. Avec le vent qui rend fou. Je le sais parce que y a la famille de ma femme qui est de Toulouse. C'est Valence d'Agen. Et quand on est à Agen, la fête est moins drôle. Bon, hop, c'était le jeu de module de la soirée. C'est une blague de maçon en fait. Il y en a qui veulent rentrer chez les maçons du cube, donc le principe de base, hein, c'est de connaître des blagues et des jeux de mots assez nuls. Ça aide quand même pour rentrer. Hein. Salut Carcosian. Donc 82, c'est quoi alors? C'est le Tarn-et-Garonne? Bon, je vais être obligé d'aller chercher. Vous exagérez, hein. Ah ouais, c'est Tarn-et-Garonne. Ah, c'est Montauban. Ouais, c'est loin de chez moi. Et 81, c'est le Tarn tout court. Ouais, logique, 81 Tarn, 82 Tarn et Garonne. Ça veut dire qu'il n'y a que deux départements qui commencent par un T. Bon, ben on a appris des trucs ce soir. Hein. Moi, j'aime bien les lives Minecraft. Nono rêve, je peux postuler, je suis moyen en construction, mais au top en blague nulle. C'est un des critères, hein, j'ai dit. Un critère important, mais. Ouais, c'est un bon moyen mnémotechnique, ça. Il n'y a que deux départements en T. Alors pour moi, ils sont juste après le 80, puisque la somme RST. Et c'est Tarn et Tarn et Garonne, donc 81, 82. Voilà. Faut que je me le mette dans la tête. À la fin de l'année, on connaît tous nos départements par cœur. Hein. Je ferai une interro écrite. On fera un quiz. Comme la dictée de Zerator, tiens. Mais ça sera un quiz département. Des départements hantés. Un peu pour moi. Ah, il faudra demander à... Ah, comment il s'appelle?
Ah, j'ai oublié son nom. Qui fait des vidéos sur les... Il faisait des vidéos Minecraft dans le temps et maintenant il fait des vidéos sur les trucs hantés. GusDX. Hop, hop. Toulouse, c'est pas la Haute-Garonne, genre 34? Vous m'étonnez. Ben non, 34, c'est l'Hérault. C'est Montpellier. Non, bah vous dites n'importe quoi là. Salut Madboom, merci pour le suivi. Les châteaux hantés. Pas les églises en croix. Oh bah là c'est simple. Alors là j'aime moyen la forme. Mais pareil, on va la retravailler. On va la retravailler quand on aura fait ça. Toulouse, c'est 31. C'est la Garonne alors. Je vérifie, hein. Qu'on me raconte pas de bêtises. Pop, 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 pop. Ah ouais. Non, c'est Haute-Garonne 31. Et c'est Toulouse. Ouais bah 31, 81, ça finit pareil hein. D'ailleurs les habitants de... Qui est ces habitants de Toulouse, c'est les losers. Toulouse, Loz, loser. C'est un verbe irrégulier, Toulouse. J'aime pas les verbes irréguliers. J'aime pas les creepers non plus. Alors, ouais, là c'est bon. Tac, tac. J'aime bien les trucs tout droit comme ça. Y a pas à se poser de questions. C'est cool. Ah, est-ce qu'on se tente un petit... On va voir la suite là. Si on veut finir notre quart... Mine de rien, j'aurais fait un quart en une heure. Ce qui veut dire, par définition, je suis susceptible de faire tout le truc en 4 heures. T'as vu, Jewan ? Rapide. Et on parle de la lave. Non, mais... Et je pense que c'est le plus difficile, celui-là. Parce que les autres, là, c'est du quasiment bord à bord. Et là, c'est... voire inversé. C'est-à-dire le bas est plus extérieur que le haut. On le voit quand on est au-dessus. Hein, ici, c'est inversé. Et ici, c'est inversé. C'est spécial, hein. Plus une heure de correction. Peut-être même plus. Non mais parce qu'avec l'habitude, j'aurais pu à corriger. Je le... Quand j'arriverai à la fin, c'est souvent ça. Quand tu fais des travaux, que tu fais un truc que tu as jamais appris, que tu as jamais fait, en fait, tu apprends en le faisant. Et quand tu as fini ta pièce, quand tu as fini tes travaux, tu te dis, oh, je suis super affûté, je vais pouvoir en faire... Un... Allez, on continue, j'en fais une autre de pièce. Mais non, tu as fini les travaux, tu as fini, c'est cool, c'est tout, t'arrêtes. Et ça, ça me désole à chaque fois. En fait, t'apprends un métier, t'apprends des techniques, et c'est fini. Ah oui, bon là après on va arrêter. Hein. On va pas aller plus loin que le truc qu'on s'était imparti. Après, on bosse sur les gradines.
Nonoref dit, tu pourrais pas faire un script world edit pour tracer un trait entre le bloc rouge du haut et du bas pour chaque colonne. Je pense que le temps que j'écrive le script, j'aurai plus vite à le faire. Mais sinon, c'est techniquement possible, hein. Mais les scripts, ça se programme en JavaScript et j'ai horreur de JavaScript. Des creepers et de la lave. Oula, c'est nul ce que je viens de faire. Ça va faire un trou. J'en fais deux d'un coup là. Eh. Pareil, on va sculpter après. Hein. Attention, hein, je peux dégainer la croix. Et Gilles. Hein. Alors, les scripts World Edit, c'est apparemment que JavaScript. On peut. Parce que le truc en interne appelle une bibliothèque qui... Ouh là là, comment ça chauffe là. Qui, bah qui utilise que le JavaScript quoi. C'est un... Ça va pas faire joli ça. On va le refaire après. Hein. C'est un interpréteur, c'est comme ça que ça s'appelle. Et il appelle un interpréteur JavaScript, j'allais dire basique. Le vieil informaticien, il parle de basique. Et c'est JavaScript quoi. Alors apparemment on peut passer en Java. Hein. Mais parce qu'en fait, il est en Java, le World Edit. Donc, je crois qu'il y a possibilité, mais c'est pas hyper bien documenté. J'ai pas bien, parce qu'au début, je m'étais dit, tiens, si c'est Java, c'est quand même mieux que JavaScript, quoi. Bon, on va lui donner. On a encore un à faire, mais là, il va falloir lui donner une petite forme, donc plutôt comme ça. Toc toc, et puis comme ça, voilà. C'est la Java bleue. C'est la Java bleue. La Java qu'on préfère. Ah zut, fallait pas que je chante. La Java niaise. Je me souviens même plus de la musique de la javanaise. C'est stream musical ce soir. C'est que je suivais Vart. Il fait plus de Minecraft, il fait, il joue de la guitare, il fait du, ouais, du rock, ouais, plutôt du rock. Ça me plaît pas ça. 3, 2, bah on va faire comme ça, tiens, paf, prends ça dans les dents. Et donc il fait plus du tout de Minecraft. Il a complètement abandonné, ça l'a gavé. Et et il joue avec un jeu où il faut qu'il reproduise les sons
ça décode les sons qu'il joue sur sa guitare et ça lui dit s'il s'est trompé et tout. Ça lui indique les morceaux. Ça a l'air sympa comme truc pour apprendre la guitare, mais ça a l'air bizarre la notation. C'est des trucs de couleurs. Minelena demande si je vais chez Roi demain. Edo et Roi vont faire un live musical. Je pourrais aller chanter dans le micro. Ça fait un peu loin pour y aller physiquement. La Picardie, c'est pas tout près de là où j'habite. Donc on a fini notre car. Donc on va faire un petit peu de sculpture et puis on passe après à l'intérieur. Bon bah vous allez pas être déçus du voyage hein, si je vous fais un concert. Donc là typiquement il faudrait je pense jouer là-dessus. De toute façon, il faut casser ces trucs-là. Il n'y a pas de souci. Donc, comme c'est allongé. Fait comme ça. Et là. Ah oui, là-haut, on a dit qu'on n'y touchait pas. Ouais, donc c'est plutôt. Ici. Alors faut voir après si une courbe, un truc un peu courbé comme ça le fait ou pas quoi. Là, on peut vraiment valider cette courbe-là que quand on aura fait ce coin ici. Les oreilles vont saigner. Ouais, alors, Antonin dit Roi habite en Picardie. Bon, c'est pas tout à fait la vraie Picardie, quoi. C'est l'Oise. Bon, et là, je viens de me faire un tiers d'amis supplémentaires. On va s'en mettre un autre. Alors, attends, hop. Normalement, il faudrait que je vise le centre. Hein. Mais bon, là, c'est quasiment tout droit. Nord-ouest. Mais non, ils sont au nord de Paris, ils sont dans l'Oise. C'est des oisifs. C'est des Picards du Sud. Bon, après, d'origine, Roy et. Et normand. Donc un peu viking. Alors, oula. Ouais, mais là, de toute façon, si on veut lui donner une petite courbe. Si on veut lui donner une petite courbe, on a intérêt à faire un truc plutôt dans ce style-là. Antonin, fais gaffe, je suis une semaine sur deux à Compiègne. J'avoue qu'ils sont pas fut, surtout à Compiègne. J'ai habité quelques années à Nogent-sur-Oise. C'est pour ça que je peux me permettre de critiquer gentiment nos cousins de l'Oise. Bien que je sois. Bien que je sois. Amiénois. De naissance et de cœur. Tantantant! Eh bien, bonsoir, Mister Games. Merci d'être passé et à bientôt. Popopo. Donc là, on peut même tout de suite faire un petit peu la truc. On voit un peu le truc nous amène quoi.
Après, c'est, ça serait bien si ça pouvait être régulier, mais on a des blocs, alors. Alors là où le truc, ça, en fait, c'est censé faire des courbes, hein. Et merci pour le suivi, Mister Games. Donc, on descend et zou, on remonte. Alors on peut remonter, pop. Se faire un petit truc comme ça, par exemple, hein. Donc on a une courbe en haut et on a le rappel de la courbe en bas. Mais là-bas, en bas, faut le travailler style comme ça. Ouais, attaque. Et là, style comme ça. Et ça fait pas mal. Alors là, quitte à avoir une courbe ici, il faudrait que ça rentre un peu plus. Et pareil ici, hein. Alors après, ça c'est un peu chipoté parce que tu te dis, ah, quand je l'ai fait là. Tu t'aperçois que c'est de l'autre, ça devrait être aussi de l'autre côté, mais c'est là où ça commence à être chaud. C'est-à-dire, à un moment donné, faut te dire j'arrête d'y toucher. T'es pas content du résultat, tu dis, t'aimerais faire mieux, mais alors c'est sombre, hein. Je sais pas si vous voyez quand même, mais du coup ça reste sombre. Là, par contre, faut faire quelque chose parce que c'est pas beau. Ici, ça doit, je pense, revenir un peu en courbe ici. Alors est-ce qu'on peut se le permettre? C'est tout le truc. C'est-à-dire que là, si je fais comme ça, tac. Donc là, on en enlève peut-être qu'un seul au départ. Tac. Et ici, pareil. J1, on en parle de nouveau de l'heure de correction? Non, mais. Ouais. Problème, si je. Ouais, si je le descends là, c'est que du coup, je vais avoir un. Mais visuellement, c'est mieux qu'on ait la courbe. Et malheureusement, un truc. Là, tac, 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 tac. Donc ici, il faut que ça soit comme ça. Comme ça. Et de l'autre côté, pareil. Donc là, on l'a déjà presque ici. Faire comme ça, ici on l'enlève et ici on l'enlève aussi, tiens. Et là pareil, hein, tac tac tac, c'est pas joli ça. Avec une forme aussi complexe, on se dit maudits architectes. Ouais. Bon, après, c'est aussi un peu de la faute de Minecraft, hein. Je pense qu'on va jouer ici sur celle-là. Là, la courbe, ici elle est pas belle. On est pas loin de la fin, hein. Tac, ici, pareil, on peut jouer. Ici, donc là. Rajoute même encore un. Peut-être que. Hop,
Et de l'autre côté, ça doit repartir en courbe. Là, ça fait trop casser, là. Tac, tac, tac. Hein? Faut toujours, en fait, arranger ça. Et donc là, on casse. Hop. Pareil sur celui-là. Alors, on va allonger ici. Après, il faudra voir la suite par là. Et celui-là, on le remet. Hop. Ça fait plus de la sculpture que du build, hein. Après, dans la réalité, tu tends des toiles PVC, ça prend la forme que tu veux, quoi. Ça prend naturellement la forme, quoi. En bas, c'est pas évident. Ici, c'est pas joli. Quand il y a les deux qui sont côte-côte comme ça, c'est pas beau. Donc on les décale comme ça. Et là, oula, là c'est pas beau. Alors, on casse celui-là. Tac. On va faire même comme ça. Et ici, tac, 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 tac. Oui, avec des cubes d'un mètre d'arête, c'est pas simple. Ouais, ça. Je serais presque enclin à dire pour une première mouture, on arrête là. Ouais, lanterne, ouais. J'aurais bien aimé avoir des lanternes un peu rouges. Mais si on s'amuse à faire un truc dans ce style-là, ça fait pas, c'est pas du tout dans l'esprit du truc, quoi. Ou alors on les planque derrière des verres rouges. Ah, des verres rouges. Change la texture, pourquoi? Essayer. Suis pas sûr qu'on le voit le rouge, hein. Lampe de redstone, ça éclaire pas par contre. Enfin, ça éclaire pas. Dans le sens, c'est pas très puissant. C'est. Faudrait pas que je mette celle en haut, peut-être par contre. Où est-ce que j'ai mis le rouge? J'aime mieux que en direct. Ça va faire bizarre en direct, non? Les lampes de redstone éclairent à 15. Ah, oh bah c'est cool ça. Ouais, j'aime mieux avec le phare rouge quand même. Hop, oh, je suis coincé. Je sais pas ce que vous en pensez. Par contre, je vais mettre un truc rouge au-dessus. Hop. J'ai les magma blocs, ouais. Ça fait, ça se voit quoi.
Faudrait que j'en mette un peu plus bas aussi. Après, il y a carrément le bloc de redstone, ça éclaire pas le bloc de redstone? Je crois que ça éclairait. Ah non, ça éclaire pas. Ou alors faut le... Oh, c'est pourri. Je suis déçu. Hyper déçu. Et après on fait tout un circuit de redstone et on l'allume que la nuit. Qu'est-ce que vous en pensez? On fait une petite entourloupe, il faudrait presque en mettre un rang en dessous. Ah oui, avec un... donc c'est time 7 18 000. Ouais, je trouve ça pas mal. Par contre, le truc, faut pas le mettre en... Faut tous les mettre... problème, c'est que ça va être recouvert après. Il va y avoir un chapeau. Ah, il faut tout relier au circuit de redstone, quoi. Sinon t'as les lumières de Tom Croft. Alors je les ai peut-être mis un peu hautes parce qu'après si j'en mets des basses, il faudrait que je les mette avec le même écart, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va tomber quelque part là. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, quoique remarque. Et on en met tous les 3. Ça fait un peu éclairage des gens en dessous, quoi. Salut Kireg. Alors j'ai une version modée hein, de la map. Bon, j'y travaille pas beaucoup beaucoup. Ouais, ça fait lampadaire. On valide l'éclairage? C'est 3000 hein, que je mets d'habitude. Même de jour, du coup, on voit là, c'était tout sombre. Là, ça pétouille mieux. Hein. Je pense que c'est, même si c'est pas là dans la réalité, c'est indispensable, quoi.
En tout cas, on voit mieux la courbe, ouais. Ça pourrait faire une énorme citrouille. Est-ce que je tente le petit bout? Le petit bout là pour voir avec l'inversion. Je pense que ça serait pas mal. 22h32. Je pense pas qu'il y en ait pour très longtemps. Je vise le milieu. Salut Brian Easy. Bienvenue. Bienvenue sur le live du doyen de Twitch. Ou au moins de Minecraft. Encore un petit Ouais, ça va, et toi? Et hop. Hop. Ouais, là il y a quand même du Tu vois, on voit déjà où ça va coincer au niveau courbe. Donc là, faut passer derrière en fait. Et là, on gagne du temps sur la correction. Et là, on va avoir le même problème ici. Tac, tac. Donc ici, tac, tac, tac. Et pareil ici. Donc là, je vais taper un peu plus comme ça. Voir un peu plus. Ici, tac, tac. Bah, il y a un endroit, il y a une bascule, hein. Entre ici, on est à la verticale, là. Il y a un endroit où ça devrait être droit. Ou quasi. Il faut prendre la voie du père Fouras quand tu te présentes comme le doyen de Twitch. Ouais, ça, je vais avoir du mal. Il y a peut-être des déformateurs de voix. Faudrait que je regarde, tiens. Pour avoir des voix de vieux. Alors, tac. Après, ouais, quand ça se dé... Après, il faut peut-être pas forcément que je les décale trop vite, puisque quand on est à la verticale. On va surtout avoir beaucoup des comme ça quoi. Tac, tac, tac. Je reconstitue donc dans la ville d'Amiens le Zénith. Petite boîte de nuit. Non, c'est une salle de concert. Hein. Bon, après, tout le monde sait ce que c'est qu'un Zénith. Hein. C'est quand le soleil est au plus haut dans le ciel. Ce qui fait pas de mal à Amiens. Ville du nord de la France.
Alors, tac tac. Soit on fait comme ça, soit on coupe celui-là. Là, c'est pas trop mal. Là, c'est pas terrible. Hein. On va tout de suite. On va corriger tout de suite ces petites choses là. Donc là, on est pas trop mal. Là ça va pas le faire, donc là ça veut dire qu'il faut casser un peu comme ça. Tac 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 tac. Pareil, tac. Ici, là, on voit qu'il y a un petit loupé. On le récupère tout de suite. Donc, on gagne au niveau de la correction. Après, si on a du 2 ici, c'est bon. Hein. Par contre, là, on voit que c'est pas bon. Tac. Là, pareil, un petit comme ça. Là, ça va pas le faire. Dommage, mais on va peut-être tricher sur celui-là. Ah, lui, il ressort un peu. Hein. De toute façon, il faudra certainement... Voilà. Ici, repasser après coup. Il y a des choses qu'on voit qu'en s'éloignant. Hein. Voilà, par exemple. La courbe, faut plus qu'elle soit ici, je pense. Hein. Mais il faut pas aller trop vite. Je pense qu'il va encore y avoir des corrections à faire une fois que la, une fois que toute la structure sera montée, quoi. Oh. Ouais, donc là. Où est le point vertical? Ah, il est plus par ici. Ouais, là on est encore dans le style coque de bateau là. Et salut Nino 4770, presque la hauteur du Mont Blanc. Et merci pour le suivi. Gratte, gratte. Je me gratte la tête. Là, on...
ça va pas. Chaque fois qu'il y a des doubles carrés comme ça, faut les casser. Hein. C'est pas si compliqué que ça. Ça mériterait peut-être de sortir un peu plus ici. Donc ça veut dire tac, tac. Voire même ici aussi. Ah, pour le coup, ça fait vraiment coque de bateau. Hein. Là-haut, c'est pas beau. Là, faut plus partir comme ça. Et là, c'est pas beau. Il y a un carré. Ici, ça mériterait d'être... d'être plus comme ça. Et pareil ici. Là, t'as un 2, un 2. Ça fait pas joli, mais bon. Et là... Salut Cici, Mifa. Ben en fait, ouais, moi aussi. Surtout la coque rouge. C'est la même technique, hein. Sauf que sur le Titanic, c'est plus facile parce que les couples, ils sont beaucoup plus réguliers. C'est exactement la même technique. Là, je serais enclin à dire qu'il faut le descendre. Et là, maintenant, ça va s'inverser. Autant ici on avait une forme comme ça, après on va basculer de l'autre côté. Donc pour ceux qui arrivent, le bâtiment, c'est deux ellipses. Il y a une ellipse qui est orientée nord-sud, qui fait la base du bâtiment. Et puis il y a l'ellipse, la même ellipse projetée vers le haut, en hauteur, elle est basculée de 50 degrés. Et ils ont tendu de la toile entre les deux ellipses. Donc c'est pour ça que ça fait cette forme-là. C'est là. De l'autre côté, je peux faire ligne. C'est trop trop rapproché. Mais il faudra voir avec la suite. Là, on est quasiment vertical. Ouais, d'ailleurs, ici. Le vertical, c'est celui-là. Et celui-là. Et là, ça s'inverse.
se faire les deux pareil. Il y a trois verticales au point de bascule. Ah, j'ai pas compté. Non, que deux. Un, deux. Les autres, elles sont un peu de traviole, quoi. Ouais, je sais pas si celles-là, on peut les compter. Alors. Est-ce qu'on le rentre ou est-ce qu'on le laisse sortir, ça? That is the question. Les lignes, ça déforme les, ça fait des formes. Cristaux. Ah, si je fais ça, celui-là il sert à rien, il saute. Ouais. Pareil pour celui-là. Bon, j'ai du mal. Hop. Et bonne nuit, Carcosian. Merci d'être passé. Faites de beaux rêves. Il a claqué une croix, Carcosian. Sacripant. Ouais, alors là, on a pas assez fait de retrait là. Donc là, il va peut-être falloir retravailler une courbe aussi, hein. Comme ça, tac. Ici, là. C'est pour aider, c'est la Croix-Rouge. Ben, on va en avoir besoin, ouais. On va en avoir besoin. Bon, ben... Je pense qu'il va encore nous falloir une séance. On n'est pas loin de la moitié. Il va nous falloir... Comment j'ai fait pour faire ça ? Oh. Ah, c'est pas F. Ouais, c'est ça. En un live,
J'ai commencé quand? Ouais, 2 heures. Mettons, papotis, papota, on a raconté des vannes, on n'était pas très très sérieux. En 2 heures, j'ai fait presque la moitié. Ouais, donc faut 4 bonnes heures pour faire tout le truc. Donc je l'avancerai peut-être hors caméra. Et puis on se le finira le live prochain. Là, je vais peut-être un peu bosser sur l'intérieur pour me reposer un petit peu. Pour vous reposer un petit peu aussi, peut-être. Et donc on a l'entrée qui est là. On va voir les gradins, les premiers gradins ici. Bon, on va commencer à s'installer ça, ici. Donc c'est des chaises rouges. Donc ça tombe bien puisque j'ai trafiqué pour les cinémas et le cirque. J'avais trafiqué le bois d'acacia pour le faire apparaître en rouge. Tout est prévu, hein. Ah, on est redoutable, hein. Redoutable d'efficacité. Alors attends, il faut que j'affiche le rez-de-chaussée, moi. Parce que là, il faut que j'affiche la grille. Hop. Donc c'est du tout béton. J'aurais pu faire un gros set. Donc là, ça c'est ouais. C'est les vomitories des amphithéâtres romains. Après, il faudra que je trouve où vont les. Donc là, il y a des passages dedans. Oh, lui, il va pas voir la scène. Dommage. Tant pis pour toi, t'es puni. Là, faut pas que. Et après, ben on continue, hein. J'ai pu voir ma grille. Est-ce que j'ai encore besoin de ma grille? Ouais, j'ai fait comme ça, hein. Bloc de là. Ouais. Faut pas que ça monte trop vite parce que sinon après on va se retrouver le toit dans le. Et à chaque fois, ouais, ça s'écarte dehors. Au niveau sécure, vous allez me dire, ouais, c'est pas très sécurisant. Mais sinon, le gars, ici, il va rien voir, quoi. Ouais, il faut qu'il soit comme ça. Ouais, parce que sinon, il bascule, il tombe dedans. Il tombe dans la fosse au lion. Alors, ici. Voilà, comme ça. Pareil, hein. Pop, du béton. Attends, j'ai fait comment?
Je l'ai décalé de 1. J'ai le qui me gratte. Je travaille trop sur l'ordinateur. Exact, J1, j'ai 43 blocs du centre au cercle du disque, du coup je vais être pas loin de monter de 17 blocs, ouais, c'est ça à peu près. Il y a des. Comme il y a 3 niveaux, il y a des passages qui vont être un petit peu plus longs pour faire des pour faire les allées. Donc ça va être dans ces eaux-là à peu près. Donc on va être plus dans les 17 que dans les 20. Pour justement faire passer ces allées-là. Donc là après. De toute façon, c'est symétrique, hein. Donc je vais faire qu'un côté, puis après on fera un gros flip. Un gros flip. Flip, flip. 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 22, voilà le flip. Vache, et là j'ai la police de Castaner qui frappe à la porte. Voilà, on va en mettre un comme ça. Et limite là, on aurait pu, hein. Pop. Je veux voir la scène. Ouais, tu vas la voir, la scène. Ah, t'avais compté les allées aussi? Ah, ok. Enfin, terrasse. Ouais. Pff. Allez, allez, allez. Allez, allez. Qui c'est qui a fait Ding Ding? Salut, Yezo Jed. Oh oh. 10, merci pour le suivi. Attention au GIGN ou plutôt le raid. Ouais, ou la BAC, hein. C'est eux qui font office de. On frappe sur tout ce qui bouge. Enfin, tout ce qui bouge, tout ce qui râle. Mais, on n'est pas là pour parler de politique. Les Vomitori. On va les arrêter là. Peut-être même les arrêter. On va pas les faire très très haut. Hein. Ça va faire un peu glauque. Donc ça c'est censé représenter le béton. Le béton branché là. Mais on va mettre des lampes là-dedans. Bonne nuit, bonne nuit Oran. Ouais, je suis assez pas trop mécontent du résultat. Pas trop mécontent. Il va y avoir des petits trucs à peaufiner, mais bah là par exemple, tiens, voilà, typiquement là, c'était pas bon, voilà. Comme quoi on en revoit encore après coup, hein. Ici là, c'est un peu trop près, donc tac tac. Ici, pareil, ça peut peut-être être plus serré. Ici, ça descend plus là. Là, c'est vraiment dans le peaufinage, hein. Ce genre de petits travaux. Et ici, là, faut que ça soit plus. Là, c'est clairement pas joli. Donc là. Ouais. Faut que ça soit plus comme ça. Et ici, ça descend plus. Voire même que ça rejoigne dans ce style-là. Et là, c'est pas assez régulier. J'ai 3, 3, 4, 3. Et mit, voilà. Bon, enfin, etc., etc., quoi.
Donc j'en ferai une. J'essaierai d'en faire une bonne partie pour pas qu'on ait plus qu'une heure à faire par exemple la fois prochaine, puis passer en revue et puis voir les petits défauts et tout ça. Salut Berek! Donc ici, alors le problème c'est que j'aimerais bien avoir des escaliers, on aimerait bien avoir des escaliers en travers, monsieur Mojang. Hein? Ah, monsieur Mojang. Bah tant pis, on va les mettre comme ça. Hein. Parce qu'on n'a pas le choix. Ou je les mets comme ça? Non, c'est plus... Alors la scène elle est là, il faut quand même qu'il soit comme ça quoi. Sinon là c'est ils sont en train de regarder eux. Oh qu'est-ce qui se passe? Où est la marchande de pop-corn? Alors après, comment ça marche mon truc? Chaque machin, il est deux blocs derrière l'autre. Donc ça se passe comme ça. Bon, on aurait pu plus les serrer, hein. Mais bon, c'est des spectateurs, c'est quand même pas des vaches à lait, hein. Aussi, surtout les vaches quand on voit ce qu'ils leur font là, avec le coup de la panse, le hublot, les vaches à hublot. Vache. Dans quelle société on vit? Quack. Alors, bah là, tac, 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 et ici pas. Ah non, ici non, parce que là on est dans la montée du. Ah j'ai que 4 sièges là. Ah non, 5. 1, 2, 3, 4, funf. C'est bon. Qu'est-ce qu'il nous écrit, J1? Les concerts à... T'as fait une faute de frappe? T'as mis un 5... T'as ton doigt qui a fourché sur le 5? 175 euros la place? Mais ça fait... Ça fait plus de 1000 francs? Et 1000 francs, je rappelle que ça fait 100 000 francs anciens, hein. T'achètes 10 places, ça te coûte une brique, hein. Ouais, mais c'est pour voir Johnny Mort. Un truc dans ce style-là. Ah ouais, Mylène Farmer. Et à ce prix-là, t'as le droit de... T'as le droit d'aller prendre ta douche avec elle ou... Le manque de respect. Là, c'est grave. Hein. Là, ça devient du n'importe quoi. Il va falloir arrêter le stream. Ouais, on peut claquer le la commande des dents, ouais. Ouais, je suis d'accord avec vous là. On peut même mettre une croix. Hein. Ah ouais, c'est vrai qu'en Suisse. Oui, c'est vrai, ouais. J'avais oublié. Oui. Alors,
Il en est où le nom, pas ça? Eh ben, tu t'étais absenté un petit peu? Nous avons bien avancé la coque, la surface extérieure. Peaufiner les petites courbes à son pépère, rajouter des lampes. Et puis là, on est en train de bosser sur les gradineries. Donc on fait le premier rayon. Ouais, faut que je me méfie moi avec mes trucs comme ça là. Je peux aller juste là. On va se faire un stack toc 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 5. Y a un spectateur qui est derrière un cube de béton. Ouais, mais s'il n'y a qu'un seul cube, c'est bon. Ah oui, ici? Ouais. Non, mais c'est parce qu'il est en traviole normalement. La scène est là. Hein. Donc ça, c'est pas la scène. Faudra bloquer d'une manière ou d'une autre. Quoique normalement, il doit y avoir tout un système de grille avec service d'ordre et tout, là. Faire un petit stack. J'avais dit qu'elle faisait combien la scène? 30? Donc un petit 20. J'ai tapé quoi? À 253. Excusez-moi. Excusez-moi, madame. Vient de vérifier Mylène Farmer Paris, la Défense Arena, demain. Ah oui, en franc suisse en plus, 193. Ça fait combien d'euros ça? J'ai peur du résultat. C'est la meilleure place avec douche. Non mais. Un petit peu coquin, hein. Il est 23h, on voit que ça se lâche un petit peu. Hein. Pas de petit coquinou. Hein. Meilleure place sans douche. Alors c'était 30 sur 15 je crois. Donc 233. Vache. 233, ouais, ça fait que 210 euros. Ouais. Sans douche. Ouais, mais bon, après, c'est bien de Farmer quand même. Il y a du spectacle. Ouais, puis je crois qu'elle fait pas de tournée, elle doit faire que quelques soirées et Et à 193, t'es déjà dans le fond. Alors on peut le mettre après en configuration.
Ouais, alors là j'ai mis les sièges assez près, mais on va peut-être pas les mettre si près que ça. Configuration, alors ils appellent ça debout, debout, debout ou assis debout. En fait, il y a deux configurations de salle. Debout, debout, non, debout, assis ou assis, assis. Ouais, c'est ça. Ah, il y a sorcière qui déteint. Salut Furio. Salut à ceux qui arrivent que j'ai pas vu. Et salut Calypso alors. Salut Virax. Le cimetière de la Madeleine, un de ces quatre, on va le faire, ouais. Il a souvent été proposé au vote. Ah ben c'est lui qui est arrivé deuxième. Il est arrivé deuxième derrière le Zénith. Du coup, le Zénith, il y a quand même des gens qui étaient super intéressés pour le faire, quoi, parce que c'est quand même du gros, de la grosse, du gros œuvre architecturale. Donc, c'est sûr que c'est top, quoi. Mais à demain, Calypso. Ah ouais, demain, le tourne-navion. Du coup, c'est sûr qu'on est loin de la place à 45 euros de Souchon à Amiens. Ah bah ouais, du coup, ouais. Ah bah, il y a de la bonne programmation à Amiens. Il y a Souchon, la souche. Bon, il est tout vieux, il est limite liquide, il n'arrive plus à chanter. Mais bon, c'est toujours mieux que Kev Adams, ça. Et Kev Adams, il a combien? Merci Calypso. À chaque fois, je crois que quelqu'un a mis comme pseudo à ceux qui arrivent. Ah ouais, ça vaudrait le coup, Marc, ça, le gars qui a comme pseudo à ceux qui arrivent. Salut à ceux qui arrivent. Par contre, quand tu lui dis au revoir et que tu dis au revoir à ceux qui arrivent, là, t'sais, tu te dis le gars, il a un problème, quoi. Il a trop joué avec Windows. Pour arrêter, t'es obligé de cliquer sur le bouton démarrer, tu vois. Alors après, il mélange tout, le gars. Il mélange tout. Il en peut plus. Alors, c'est pas tout ça. Faudrait quand même bosser un peu là, parce qu'on dit des bêtises. Enfin, surtout vous, parce que moi, je suis hyper sérieux. Je suis concentré sur mon truc là. Hop, voilà. Bah après on continue de monter hein. Pop 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 pop. Donc là par exemple pour les places ici, bah là on continue de monter ouais comme ça doucettement. Donc là tac 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 tac. Du coup, en dessous, on va pouvoir passer. Je sais pas ce qu'il y a en dessous. Peut-être les douches. Salut de nos rêves. Il faut qu'il change de pseudo avant la fin du live pour prendre à ceux qui partent. Ouais. Ou alors, ils sont deux. Il y en a un qui s'appelle à ceux qui arrivent et l'autre qui s'appelle à ceux qui partent. Du coup, tu dis bonjour à ceux qui partent. Ouais, non, ça peut pas aller. Là, on aurait presque pu en mettre un comme ça. Hein. Bon, tu vas bien? Ouais, ils ont encore mis un siège. Voilà. Eh. Ah ouais, c'est mieux comme ça. Bon, alors là, celui-là, il regarde pas le. Ah, si. Donc là. Ah bah là, le gars, il va commencer à passer derrière. C'est là que ça va commencer à être un peu compliqué, techniquement, hein. Je suis d'accord. Mais on peut pas orienter à 45 degrés les blocs, alors on est un petit peu coincé là, hein. Pareil ici, ouais, on va se retrouver là. Ah, ça m'embête de faire ça va vraiment faire claustro si je fais comme ça.
couloir avec 2 mètres de... Faut pas que tu viennes avec un chapeau, sinon... Donc du coup, on va peut-être mettre des blocs. Madonna au Grand Rex. Grand Rex, peut-être. C'est tout épuisé, les places vont de 85 euros à 385 euros. Ouais, c'est sûr qu'à 85 euros, t'es quasiment sûr de pas récupérer la culotte, quoi. Choqué. Choqué, choqué. Il est passé 23h, on a le droit aux blagues. Tout à l'heure c'était les jeux de mots nuls, maintenant c'est les blagues un petit peu. On en parle de la culotte de Madonna? J'espère qu'il n'y a plus de jeunes enfants devant mon live à cette heure-ci. Bon, on peut faire un truc comme ça. Hein. Et du coup là. Ça fera notre plancher pour la terrasse qui est là. Classe. C'est pas de ma faute, c'est Madonna. Comme si elle l'avait pas fait en plus. Non, c'est pas elle qui l'avait fait. Ah si si, ça me rappelle quelque chose. Ah. Salut Svelms. T'as 7,5 ans. T'as 7 ans et demi. Vache. Et Kev Adams, voilà du spectacle familial pour pauvres. 39 euros. Ouais, Gilles confirme, c'est bien elle. Ouais. C'est ta donneur. Bonne nuit Shinchi. Bah nous on n'est pas... Bon, on va pas trop tarder, encore 10 minutes, encore un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. On va essayer de monter le... Donc il y a 3 rangs, on va essayer de monter le... jusqu'au 3ème rang. Non, jusqu'au... le premier rang, je veux dire. Oh là, fatigué le Z. Il est fatigué le Z. Du coup là, ça va pas ça. Ah si quand même, ouais si, on va mettre les chaises. Au cas où on enlève les chaises, qu'on voit quand même le béton quoi. C'est de la construction tout béton. Obispo 45 à 75. Après, entre Mylène Farmer et Obispo, je préfère encore aller voir Mylène Farmer. Hein, j'ai fait une erreur. Hein. Ah non, là c'est bon. C'est comme ça. C'est comme ça. La 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 la. Ah oui, mais là c'est comme... Ouais. C'est comme ça, comme ça. Donc le 45, c'est assis au fond, et 75, c'est debout dans la fosse, ou c'est l'inverse? 45 c'est pour ceux qui se font secouer, et 75 c'est ceux qui sont assis. Question juste simple curiosité. Ouais, donc les configurations dont je parlais, c'était donc il y avait deux assis-assis ou assis-debout. Donc quand c'est assis-assis, ils mettent des chaises, enfin des fauteuils, ici. Donc là, il y a un certain nombre de rangées. Hein. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Jusque... Bah, jusqu'à une place... Enfin, il y a quand même pas mal de place. Et quand c'est une configuration debout-assis, ceux-là, hein, c'est plus ou moins fixe. Donc ceux-là, ils restent, ils sont assis. Et ceux qui sont debout, bah, ils sont dans la fosse et ils se pogotent.
histoire de s'amuser un petit peu, parce qu'on n'est pas venu au concert pour s'ennuyer. Ouais, Obispo, bah ouais, c'est moyenne d'âge EHPAD, quoi, donc faut que ça soit assis. S'il commence à pogoter les petites vieilles et les petits vieux, là, d'autre côté, ça résoudrait les problèmes, même Buzyn, hein. Il n'y a plus de sous pour les EHPAD, alors... Allez, allez les pensionnaires, on va voir... on va aller voir l'Obispo. Hein. Puis, ah, c'est pas la peine que je fasse tout, puisque je vais splitter le bazar. Non, pas splitter. Flipper. Patrick Bruel à Caléto. Ah, 39, premier prix, pareil que Kev Adams, hein. 80 après. 80 pour pouvoir crier, pour pouvoir lui postillonner, Patrick. Et du coup, Patrick Bruel, c'est debout assis. Ouais, il faut que ça bouge, là. C'est du Jones qui... Touk, touk, touk. Enfin, du Jones. De la Jones. Après, j'essaierai de voir si on peut faire des allées. Alors, ce que je voulais faire ici, ouais, mais ça va pas faire joli. Parce que là, Ah, ou alors je fais comme ça. Alors d'en dessous, on va voir les fauteuils. Non, bah tant pis, d'en dessous, je bouge comme ça, quoi. Ah, c'est bien assis debout. Les jeunes de 40 ans. Et Patrick Bruel, c'est pas si... Patrick Bruel, quand il a commencé à chanter, ça fait un bail, hein. J'aurais presque pu être femme, moi. Enfin, si j'avais été une jeune fille. Bien sûr. Après, ben, on continue, hein. Allez, on se bouge, là, parce que... J'ai mis le milieu, au moins. Pop, pop. Donc, toute structure, tout béton. On est très original sur l'extérieur, mais sur l'intérieur... Alors, de temps en temps, il faudra mettre une grosse pilasse là, paf, pour que ça tienne, sinon, choc. T'imagines, t'es en train de sauter. Patrick, 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 et blam. Oh. Tiens, on passe du. Je passe du pseudo Bruel. Alors, combien j'ai de rangées là? 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a un peu plus hein, dans la réalité, mais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, hop. Et après, je vais avoir la... Comment ça s'appelle, là? L'espace ingénieur du son. Comment on va décorer ça? On va changer un... On va prendre du béton gris. Non, pas de la terre cuite, du béton. Béton gris clair. Donc là, ça sera comme ça. Non, je vais pas mettre 4664, sais-je. Hein. Non, non, j'ai réduit. J'ai été étonné parce que le nombre de rangées... en fait, t'as très peu de place. C'est assez petit, les trucs. Hein. Ça a l'air vraiment serré. Vu l'espace, pour qu'ils puissent caser autant de trucs... ouais, ils ont pas été... Donc là... Que je regarde bien, on a un espace à 2, et là on va repartir sur du on voit toujours bien la scène hein. Surtout que là eux ils vont pas gêner parce qu'ils vont être juste là. Plop, plop. La régie son et lumière, ouais, je pense. Ouais. P-
Peut-être que son d'ailleurs. Ils les mettent au milieu là parce que c'est des mecs qui sont sourds, qui s'occupent de ça et du coup il faut qu'ils entendent bien. Alors là j'en ai combien là? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, j'en ai 5 aussi. 1, 2, 3, 4. Un, deux, trois, quatre, cinq. Là, j'ai deux blocs pour faire l'allée et on recommence une nouvelle fournée. Et là, j'en ai un, deux, trois, quatre. Et ici. Avec une petite rangée, avec un petit passage à l'extérieur, voilà, hop. Et là, normalement, ouais, j'ai deux blocs. Alors, je me suis demandé s'il n'y avait pas une plateforme derrière, avec, s'il n'y a pas des, parce qu'il doit y avoir des projecteurs, il y a une espèce de galerie ici. Avec des projecteurs et des trucs comme ça. Donc, faut qu'elle soit surélevée, quoi. Donc, on a encore quelques blocs et on n'est pas loin du haut. Sachant que le bord ici, il est surélevé. Ah, il est surélevé par rapport au rond qu'on a ici. On le voit bien sur la vue satellite. Amiens. Où es-tu, Amiens? Le truc. À chaque fois, ça me. Dit. Oh, je vais avoir du mal à le trouver. Bah non, c'est le point rouge. Voilà. Donc ça correspond à la salle de concert. Donc c'est tout plat. Et de tous les côtés, ici ça remonte. Et d'ailleurs, ici j'ai 40 mètres d'élévation. Ici j'ai 42 mètres. 42 mètres. 42 mètres. Donc il y a 2 mètres de différence entre la cuvette et les bords, quoi. Si on peut appeler ce truc-là comme ça, quoi. C'est pas mal ressemblant quand même. On voit que là ça avance. C'est ça qu'on a fait, hein, tout à l'heure. D'ailleurs, on voit l'ombre. Le soleil est au zénith. Et on voit la billetterie d'ailleurs, qui est ronde. Elle est ronde aussi la billetterie. Elle va être balèze à faire la billetterie. Donc voilà. J'ai les chiffres de la salle. Où est-ce que je les ai mis? Je les ai mis dans mon carnet, hein, bien sûr. Tout est dans mon carnet. Hauteur moyenne 22 mètres. La coque béton circulaire fait 18 mètres de haut. Mais parce que là on est à 22 mètres. Ici on est à 40 mètres. Ouais, donc ça fait 18 mètres ça fait 18 mètres de haut. Moi je l'ai fait un peu plus haute. Pour avoir un peu plus d'espace, quoi. Je l'ai faite un petit peu plus haute, j'ai considéré un peu plus de blocs. C'est peut-être pas plus mal, hein, parce que
Z fait des blagues tous les mois au Zénith d'Amiens. Donc là, c'est la dernière place. Donc la moins chère. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on va arrêter le live là. C'est une bonne coupure. Donc, il y aura un troisième épisode. Mais où. Bon, j'essaierai d'avancer un petit peu le truc. Hein, et puis, on fera une heure de fin de coque. Et puis après, on travaillera un petit peu sur les espaces intérieurs. Peut-être un petit poil plus intéressant. Voilà. Donc le programme des lives à venir demain, le live détente qui va pas être détente. On vole, donc c'est la simulation de vol le vendredi. Avec X-Plane, on va voler pour la première fois avec un gros avion, le Boeing 737-800. Alors vient des nombreux parce qu'on peut emmener plus de 150 passagers. Donc on peut avoir 150 viewers, on peut les emmener. Il va falloir un gros stock de cacahuètes du coup. Alors le poids de cacahuètes sera limité par passager, hein, sinon on met tout dans les soutes. Hein. Si vous voulez ça en bagage à main, faut pas emmener 5 kilos quoi. En direct du Zénith d'Amiens. Moi je vais aller sur la scène. Ouais, quand il y aura tous les gradins, faut être couillu pour faire des spectacles, hein, quand même. Bon, quand la salle est tout dans le noir, que tu prends tous les projecteurs dans la tronche, il paraît que tout est noir, tu vois rien. Donc, c'est la semaine détente, hier le Nether, aujourd'hui le Zénith, et ses formes bizarres, et demain le gros avion. Ouais. Et puis samedi, ça sera vraiment détente, on fera du Holy Cube tranquille peinard. Donc samedi Holycube, lundi Holycube, et puis après on reprend. Faudrait que je regarde. Je vous dirai demain ou après-demain et ou après-demain. Si la semaine prochaine c'est un programme normal ou s'il y a des petites modifs. Mais pour jusqu'à samedi c'est jusqu'à samedi voire même lundi c'est ok. J'ai peur pour le gros avion vu le fail d'hier. Mais non, c'est tout automatique. Ça marche tout seul. Il n'y a qu'à appuyer sur 2-3 boutons. Et le truc, il marche vraiment tout seul. On se demande pourquoi ils payent des pilotes aussi cher. Parce que c'est tout automatique. Bon, du coup, on ne fera pas complètement du tout automatique. Parce que... Et bon. On pourrait le faire. Voilà. Bon, ben, je vais remercier les modérateurs. Je sais pas s'il y a encore des modérateurs d'ailleurs. Je vais remercier les modérateurs, les donateurs, et puis vous autres, les spectateurs. Un parachute, faut déjà réussir à décoller pour avoir s'en servir. C'est pas froid. Ouais, bon, enfin, ok, oui. Oui, non, le décollage. C'est souvent le plus facile, mais comme on dit souvent, le décollage est facultatif et l'atterrissage est obligatoire. On va faire un reliquat des blagues de navion, tiens. Puis on fera une commande avion pour les ressortir, ces trucs-là. Là. Bon, je vous mets le générique. Un petit générique court, hein, parce qu'il faut aller au dodo. Petit générique avec les clips... les clips que vous faites quand je fais des bêtises, ou parce que c'est plus souvent quand même quand je fais des bêtises que quand je fais des actions d'éclat, hein, les clips. Je voudrais pas râler un petit peu, mais bon, ça serait pas mal que ça soit dans l'autre sens, hein. Mais bon, c'est comme ça. Donc les petits clips en générique de fin, et puis je passe dans l'assistance pour récupérer les 39 euros. Ah bah 39 euros, ça sera le prix du billet de Boeing 737. C'est une low cost. Hein. Une Lolo. C'est la compagnie du Lolo. Low cost. Voilà, allez, je vous fais des bisous. Et puis je vous balance le générique. Hein.
toujours, j'ai toujours pas automatisé le truc, donc il me faut toujours un petit peu de temps pour le balancer. Mais ça ne va pas traîner, ne vous inquiétez pas. Et gros bisous, à bientôt. Et le jeudi soir, ça ferme à 21h, Skyra, t'as pas... Ah bah non, c'est... Non, c'est pas les horaires, c'est les c'est horaires de stream. Oh là 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 là. Ah mais bravo. Oh là 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 là. Ah ouais, Tommy. Ouais, il dit qu'il aime pas, la guerre des étoiles et tout. En fait, c'est R2-D2, Skyran. La preuve, voilà. Je vais refaire les boutages. Qu'est-ce que tu fais bien? Je sais pas ce que c'est, mais... Ouais, c'est spécial quand même. Oula. Heureusement. Alors... Ah, mais je vais changer ma pile de ma souris parce que là c'est horrible. J'ai cru que t'allais changer ta pile. Ton son de tonnerre. Le pacemaker est en panne. Ah, non, mais entre. Je vais changer mon pacemaker. Ah non, c'est pas vrai. Oh, pas... oh non! Qui c'est qui m'a... Oh, c'est des Dalos! Ah, mais quoi, tu m'as tué une pétraque? Ah, bah, du coup, voilà. C'est ce qu'on m'a donné! Du coup, t'as plus besoin de changer tes piles! Ah, oh, bah, c'est mon stuff! Où oui. Est-ce que je vais me retrouver? Bah dans le tulou. Oh non, je suis en bas de vous. Là où t'as dormi. Pour qu'on puisse avoir accès au... Oui, non, ça sert à rien. Il aurait pu mettre une dalle. Il aurait pu mettre un bloc. Ah, ça marche. Ah oui, ça marche. Qu'est-ce que tu m'as balancé? Qu'est-ce que tu m'as balancé du poisson? Je l'ai vu dans le dispenser, c'est parti d'un coup. Bon. Toi, tu veux une popo? Bah, je vais Il m'en reste une. T'inquiète. À mon avis, elle est pas prête d'être finie si tu fermes. Je l'ai mis dans le dispenser, j'ai appuyé avec la redstone, ça fait bouf. Elles sont un peu bébêtes. Ouais. Oui, c'est normal. Je retire ce que j'ai dit. Les sales bêtes. Bon, il va être temps de prendre sa potion. Hop. Des pépites de fer, je les avais déjà. Un tiny pile of de la poussière de sphalérite. Et puis un petit tas de poudre de fer. Tu devrais avoir assez de sable, je pense. Oui. Du coup, je me sens obligé de reboucher.
Mais non, regarde. Il y a une technique. Tu sais qu'elle pourrait être utile, la flotte. Alps, on va te surnommer le réchauffement climatique. Le truc pas RP, les pizzas qui te donnent du speed et du hast. Ouais, parce qu'en fait, dans la vraie vie, les pizzas, ça te donne... Ouais. Mais... Heureusement qu'ils ont changé le craft des des trappes. Hein. Maintenant on en a 6 hein, je crois avec. Avec... Pop 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 pop. Je suis trop pressé. Je suis trop pressé d'aller casser du bloc. Toc 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 toc. Toc 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 toc. La vitesse qui va. Turbo propulsion. Pop pop pop. C'est vrai que... Ouais. Si on me donnait à choisir entre faire le Père Noël et faire le Père Fouettard, je pense que je préférerais faire le Père Fouettard. Ah oui, quand même. Oh, le personnage est quand même plus intéressant, quoi. Je pense. Oh là, je pourrais le t'avoir. Bon, tant pis. Hein. Et tu l'as cherché. Hein. Tu as mis 4K. Ah bah, moi j'ai pas le trident sur moi. Sinon, je t'aurais mis qu'un demi-cœur, mais. Tiens, Popo. C'est ma tournée. Oh, sinon, je vais aller au beacon, hein. De soin, hop. Ah ouais, carrément, tu m'as balancé quoi? Du poison? Non. Oh, faiblesse. Non, mais sérieux. Ça fait quoi? Je peux plus mettre de coups? Non, non, si tu mets des coups, normalement, vas-y, mets voir un coup d'épée. Je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'à ton âge, c'est dur de mettre des coups. Je suis en train de me bloquer la porte, là. Il passe un pièce en partant de la porte. Le boulet. Les syllabes s'allongent. C'est parce que la 4G passe moins bien. Pire. Pourquoi je m'allume quand je passe dans le... Non mais... Eh. Ah, parce que... Ah, c'est pas une flèche. C'est en... Ah zut. J'ai cru que c'était une flèche enflammée, mais oui, pourquoi il y aurait une flèche enflammée là? Aïe 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 aïe. Ah, c'est peut-être un des restes de mes coups de brique. Bon. Mais faut pas avoir de regrets. Hein. C'est pas bon les regrets. Non, rien de rien. Oh, Skyra, va nous chanter une petite chanson. Vas-y, vas-y Skyra. Non, allez. Je ne regrette rien. Je ne connais pas la suite, mais j'essaye d'improviser quand même. Non. Allez, on vire à gauche. Normalement, on monte plus que ça, hein, là. Mais là, il veut pas monter, là. Je sais pas pourquoi. On est trop lourd. Oh là là, il fait ses mouvements. On est que 4. Ouais. Attends, il y a un problème là. Oh là. Il y a des clandestins. Oh là là. Ah, il y a eu un souci là. Bon, on va recommencer. Hein. On s'est un peu crashé. Oh là là. Réinitialiser.